Ok, on y est. Donc, coucou les femmes, coucou mes sœurs. Cette vidéo s'adresse particulièrement à vous aujourd'hui, puisque je viens vous passer un petit message. Et je relève en ce moment que pour beaucoup, beaucoup de femmes, il y a vraiment des mémoires encore karmiques au niveau du collectif du féminin qui sont en train de remonter encore à la surface pour être définitivement balayés de nos vies. Ceci est dû au fait que pour beaucoup, on est en pleine réinitialisation et du coup, ces mémoires-là, en termes de vibrations, ne colle tellement pas en fait avec la nouvelle vibration que l'on vibre, que du coup voilà, c'est toutes ces mémoires là assez glauques voilà, réémergent pour être définitivement libérées. Je dis glauque parce qu'en fait c'est vraiment énormément de mémoires qui concernent tout ce qui a trait de près ou de loin en fait à la domination masculine sous toutes ses formes. Et voilà, la question d'abus de pouvoir, que ce soit des mémoires en lien avec l'esclavage, avec l'inquisition, avec des violences physiques, mentales, enfin plein plein de choses en fait qui peuvent tourner autour de cette domination masculine. Et donc pour certaines qui pourraient éventuellement se dire, ben mince, pourquoi toutes ces discordance remonte en moi, je pensais que j'en avais fait le tour et puis en fait j'ai l'impression que finalement je stagne. Eh bien non, rassurez-vous, c'est vraiment vraiment en train de vous quitter pour le coup, enfin dans la mesure bien évidemment où vous faites ce choix-là aussi et où vous ne vous laissez pas happer par cette énergie qui essaye aussi de se manifester à différents endroits dans la matière, dans votre vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est des résonances en fait, mais si vous ne les accrochez pas, ces mémoires-là vont vraiment disparaître. Je comprends aussi que je dois transmettre que c'est vraiment le moment de faire ce choix, que ça peut mettre un peu la pression, mais si on rate ce passage-là, cette opportunité-là qui nous est donnée de nous débarrasser de tout ça, ça va être compliqué pour nous derrière, en fait. Ça va être difficile d'arriver à vibrer dans une fréquence qui nous correspond vraiment. Il y aura des interférences tout le temps et ça sera pas facile. Donc c'est important de faire le choix maintenant, là, que c'est en train de se présenter, de se libérer de tout ça. Et ils disent que la paix entre le masculin et le féminin et l'homme et la femme ne pourront passer que par là. Et que le changement de paradigme aussi, du coup. Sans ça, sans cette libération-là au niveau de ces mémoires-là, ça va être effectivement du coup compliqué de mettre en place à l'intérieur de nous ce nouveau paradigme, dans la mesure comme je viens de l'exprimer, au niveau des fréquences, ça ne pourra pas matcher. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, courage mes sœurs.